on se relève. Waouh, on est déjà en pleine forme. On n'a pas vraiment récupéré énormément de vie. Je me vois un peu triste par rapport à ça. Donc on est la nuit. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait donc la sortie, elle est là. Ok. Donc résultat, non pas résultat, récapitulation du dernier épisode, récapitulation de notre exploration en fait, excusez-moi pour le bruit, de notre exploration. Donc nous sommes, nous sommes là, nous sommes juste à la sortie d'ici et nous on va essayer de monter, normalement on devrait pouvoir aller à 1000 tonnes, donc c'est notre chemin. Donc on est à Muskegmorn pour le moment, on va monter à 1000 tonnes. Donc on va sûrement devoir prendre des cordes et tout ça. On est à 45 kilos à peu près. Mais nous avons beaucoup d'objets que nous pouvons déposer. On a aussi du café si jamais on a besoin d'un petit boost d'adrénaline. Enfin, non, c'est pas de l'adrénaline, c'est pour éviter d'être fatigué en fait sur la corde si jamais on a vraiment besoin de ça. Nous avons genre par exemple les torches, on peut jeter le l'arc, pas l'arc, le charbon, pardon. J'étais en train de montrer ça, mais il y avait écrit l'arc, c'est pour ça. La viande qu'on peut jeter, l'eau qu'on peut jeter. Donc on peut descendre en dessous des 40 kilos. Il y a le bois aussi. Donc il y a pas de problème de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon. Donc si jamais on a un problème pour la corde, enfin si on arrive devant la corde et qu'on est à plus de 40, on va pouvoir se débrouiller. Bon, on va y aller. Bon, on a de la chance. Bon, on a un brouillard énormissime. On a vraiment un brouillard super épais. Mais il fait pas froid du tout. Alors là, il fait vraiment pas froid. Moins 6. Ouais, ok, on y va. Bon. Pardon. Mauvaise touche. L'habitude dans les... d'être jeu. Ok. Si jamais on a un temps comme ça, tranquille, ça va vraiment être bien. Si on a, s'il fait pas froid, rien. Ça doit être là, la suite. Y a pas des objets, là. Non, c'est bon. Honnêtement, c'est vraiment bien. S'il continue à faire un temps comme ça, on va pouvoir se balader sans trop de problèmes. On va pouvoir explorer. Enfin, l'exploration, ça va être un peu limité, vu qu'on voit pas grand-chose, honnêtement. Mais on verra ça. Allô? Avance, ok. Donc on va faire attention un peu. On a beaucoup de ressources niveau calories. Niveau calories, on a dû vous quitter Muskegmorn, très bien. J'aurais bien voulu dessiner la sortie de Muskegmorn, mais c'est pas grave. On a beaucoup de calories, on a la viande. Et après on a énormément de tout ce qui est thé et tout ça. Ok, région Milton. Très très bien. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Il y a un truc là devant qui bouge, non? Non, je sais pas. Des lapins. Des lapins, c'est bien. Alors je sais pas si ce lac peut casser, donc on va éviter de... Alors là-bas il y a des lapins. Ah non, c'est juste des branches. C'est quoi ça là-bas? C'est des rochers. C'est un éboulement? Il y a un éboulement pile devant. Cuvette de 1000 tonnes, d'accord. Ah, je vois des trucs sur la glace. Ça, c'est un loup, ça. Ça, c'est un loup qui vient directement vers nous en plus. Te pète rien, je t'en supplie. Je fais juste avancer. Je touche pas de direction. Ah, il a eu peur. Il a eu peur de nous. Putain, il nous a sentis de super loin. Le loup, il est là. C'est pas une maison, ça? Ça, là. J'ai l'impression que c'est une maison. Parce que sinon, je sais pas par où passer, hein, j'en sais rien. On va voir. Ça va, on n'a pas trop froid. Le loup, il est...
est toujours là, ok. J'espère qu'il va pas me ressentir. Ah si si, ah complètement lui hein. On voit ses yeux qui brillent. Voilà, vous avez vu, c'est cool. Oh là, il n'y a pas des trucs à récupérer. C'est quoi, c'est le cahier. Ok, reste cool. Lapin. Des champignons. Attends, il nous a lâché. Parce qu'il y a des lapins, donc... Très bien. Je me suis accroupi, hein. Je suis accroupi, c'est pour ça qu'il m'a pas vu. Très très bien. Pleine tête. Voilà. Parfait. C'est pour ça que j'ai pas couru en fait. Parce que j'ai pas trop expliqué mon plan, c'est vrai. Parce que j'étais un peu concentré en fait pour que ça marche bien, c'est ça le truc. C'est que j'ai vu les lapins. Et en fait, on n'a pas l'odorat. On n'a pas genre 3 morceaux de viande. Donc je me suis dit, il va peut-être pas vraiment nous courser très loin ou alors très proche. Et il va peut-être perdre notre piste. Parce qu'on passe par-dessus une petite montée. Donc je me suis dit, on va se mettre accroupi. Et peut-être qu'il va directement genre shifter son attention sur les lapins à la place. Et c'est complètement ce qui s'est passé, donc ça va. Donc vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez complètement faire ça. Après il faut avoir les bonnes conditions aussi. Là on avait des bonnes conditions honnêtement. Parce qu'il y avait des lapins juste derrière nous au final. Donc et vu qu'on s'est mis à... accroupi, on était tranquille. On va pouvoir mettre faire du feu ici. Intéressant. On va le faire hein, parce qu'on a froid. Ouh, très bien. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas une boîte ça? Il y a la caisse que je voudrais bien casser. On n'a pas encore trop froid, donc on va faire du feu quand vraiment on aura froid. Je vais juste regarder un peu le périmètre. Lapin là. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres loups dans le périmètre, donc honnêtement là c'est très très bon. Waouh, vache. Par contre, on va devoir poser du bois là parce qu'il y en a trop. Ok, là on commence à avoir froid. On va faire du feu d'abord, je vais aller là-bas. On a les massettes aussi. Ça m'embête un peu de... Waouh, c'est joli comme ça. Ah là-bas il y a un loup. Ça m'embête un peu de pas pouvoir dessiner sur la carte cet endroit. Parce que cet endroit il a l'air vraiment bien pour se reposer. Il y a des lapins, il y a des ressources. Donc j'ai à la limite envie d'attendre la journée. J'ai vraiment envie d'attendre. Il y a un truc là ou pas? Je crois qu'on va faire ça, on va attendre. Et quoi, on est presque minuit. On va pas devoir attendre des siècles non plus, donc ça va.
Le lapin, on va pas le chasser. On va le laisser en vie parce que celui-là, il va peut-être nous être utile comme un leurre. Si jamais on se fait encore attaquer. Et en théorie, Milton est donc dans les montagnes. Dans les montagnes là-haut. Genre là, par là. Je pense. Alors le feu, on le fait où? On le fait sur la cuisinière ou on le fait là-bas? Parce que j'ai vraiment envie de casser cette boîte. Enfin, on va faire ça. On va le faire là. On va dire que c'est plus safe. C'est plus safe de le faire ici, hein? Du coup, on va utiliser un peu notre bois. On va un peu en laisser aussi. Alors après, on peut peindre. Je me dis peut-être qu'on peut peindre aussi. Faire un petit symbole. Voilà. Le lapin. Alors attends, on a chaud. Ouais, c'est bon. On va faire ça, on va faire cuire la viande. Ça va nous faire un petit steak. 20 minutes. On va prendre la peau. Les boyaux, à la limite, on va les laisser, je pense. À la limite, on va les laisser. On a quoi? 2 heures de feu. On va les mettre par terre, les boyaux. Ah, très bien. Ça, on va le garder. On va poser à côté les ça deux, comme j'ai dit, à côté à chaque fois. Ça réchauffe très bien, comme ça ils peuvent pas brûler. On va faire ça comme ça. On va se réchauffer encore un tout petit peu et on va voir pour casser la boîte là. Je suspecte qu'il y ait peut-être des objets dedans. On sait jamais. Donc je suis en train de me dire, là elle va pas pouvoir. Par contre, est-ce qu'on peut dans un sens un peu gruger le jeu en faisant des dessins? On va tester. Alors, matériaux, stockage, terrain de chasse, nourriture et boissons, premier secours, allumage de feu. Allumage de feu. Je sais pas quoi mettre. Direction à éviter. On a qu'à mettre allumage de feu parce qu'on va laisser des bois, du bois. On va le mettre à un endroit où on voit, comme, genre là. Il est pas vraiment très lumineux le symbole. Et du coup, ça a marché ou pas du tout? Ça a pas marché. Ok, d'accord, ils sont pas... ils sont pas bêtes, les développeurs, ça va. Ils sont pas bêtes. Donc il va falloir qu'on attende la journée. Ouais, on va dormir là. On va dormir un peu là. Pour se réchauffer complètement, on va faire ça. Encore un peu. Deux heures. C'est bon, on est à fond.
Oh, parfait. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Alors, on a une bûche calorifique qui fait 2 kilos, on va pas la prendre, hélas. Ça aussi, on va le laisser. Ça pèse lourd. Voilà. C'est pas mal ça. Reste encore 2 heures. Je pense pas qu'on ait besoin autant de feu en fait. Faut que je réfléchisse une seconde. Ça on mange. Très bien. Faut qu'on dorme. On va dormir 4 heures. On va dormir 4 heures. On dort 4 heures, on va se réveiller, on va dessiner parce qu'il fera jour et après on part. On part vers Milton et on fait ligne droite, on s'arrête pas jusqu'à trouver Milton. Ah, on est en pleine forme déjà. On est en pleine forme de... Ah bah du coup on passe du temps. Tout simplement. On va faire ça. On attend qu'il fasse jour, on dessine et on se casse. En gros, c'est ça le plan. On est à 43 kilos, on a encore du bois à jeter, on a ça. On va prendre les Raichi avant de partir aussi. C'est bon là, on peut ou pas? Ah, on peut. Parfait. C'est pas très très bien leur système de marquage hein, sur la map. Hein. C'est pas top. Hein. Enfin, après c'est vrai que on... bah, le truc en fait c'est qu'ils auraient dû y penser au final. Parce que quand tu vas dessiner la map, ce que tu vas faire en premier c'est les bâtiments importants. On est logique. Hein. Dans la logique des choses c'est ça. Donc la cabane d'ermite par exemple. C'est un bâtiment important pour survivre. Du coup, les marqueurs, en fait, devraient passer par-dessus les dessins des... Par défaut, en fait, le marqueur devrait être par-dessus le reste. Ou alors, faire en sorte que les symboles ne puissent pas se mettre les uns sur les autres et les mettre à côté. Ou un truc comme ça, j'aurais préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ça soit le... trop la merde. On a 2 heures... on va faire, avant de partir, on va faire un tour du de l'inventaire. Donc on va faire ça. Ok, et on va faire ça aussi. Ça on peut le virer, l'eau on peut la virer. Ouais, on est bon, on passera en dessous des... C'est bon, on pourra le faire. C'est bon, on y va. Il y a un cadavre là-bas? Il y a un cadavre là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est un cerf. On s'en fout, alors. Alors, du coup, il faut passer par où? Par là-bas ou... Bah, on peut pas. Je croyais qu'on pouvait passer par la rivière, mais en fait on peut pas. Oula, par contre il fait très froid. Même avec la torche. Mais bon, il va falloir partir. De toute façon on peut pas rester ici 50 ans.
Il y a des cerfs. Quoique, honnêtement, on peut. Il y a un élan. Merde. Est-ce qu'on peut monter sur ce rocher? Ou alors on dessine d'ici? Ouais, mais ça va pas le dessiner, l'élan, je suis con. Il y a plein de massettes. Il y a plein de massettes. J'imagine que Milton est en haut de ces montagnes là. Genre peut-être là. Je sais pas trop. On va continuer dans cette direction. De toute façon, on peut faire un feu. Quoique non, on a fait tomber tout le bois. Bon, on trouvera. Ah, il y a une chute d'eau. On trouvera du bois si jamais on a besoin. On est dans une forêt. C'est marrant là, cet arbre comme ça à la penchée. C'est bizarre. Bon, ok, il y a plein de petits morceaux de bois. Je suis en train d'hésiter à les ramasser en fait, les morceaux de bois pour aller se réchauffer. Pour se réchauffer en fait, parce que sinon il va être froid, donc du coup ça marchera plus. On a les traces d'élan jusqu'ici quoi, à moins qu'il y en ait deux. Non, il y a des lapins. On va récupérer ça. Attendez, on va dessiner. Oh, corde! Comment ça, corde? Ah oui, corde, exact, exact! Là. Cool. Bon, bah c'est bon, on a trouvé. Je pense. De toute façon, s'il y a une corde, elle mène bien quelque part. Parfait. Et bah en bas, c'est quand même bien populé. C'est bien populé. Parce que dans mes souvenirs, si on descendait de Milton, en fait, c'était assez dangereux. Car il n'y avait pas trop d'endroits en fait pour se protéger, tout ça, et à manger. Au final, non, maintenant... Il y a un élan, il y a plein de loups, il y a plein de lapins. Enfin, on va pas parler de loups, mais il y a des lapins, il y a des... comment je monte, moi, par contre? Il y a des lapins, il y a des massettes. Ouais, mais attends, t'es marrant, toi. Comment je monte? On fait le tour. Donc, honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est plutôt cool. Ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Voilà. Ça voudrait dire élan, par exemple. Il est pas exactement là l'élan, mais bon, on le saura quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, ça c'est une petite corde, donc on va pas avoir de problème. Alors... torche. Les torches à 100%, c'est un peu relou de les jeter quand même. J'avoue que c'est un peu chiant. Les pots, on va les garder. Ça devrait suffire. La corde, elle est pas très grande. Après, on a le café si jamais on est dans la merde. Là, elle va être fatiguée, elle va descendre en dessous des 40 kilos. Oh, il y a une grotte, je crois, pile devant. Parfait. On va se réchauffer ici. Vous voyez, parce que là, si on regarde la map, c'est stylé avec ça, avec ce symbole. Mais là, du coup, bah... oui, là c'est moche, quoi. là, c'est très moche. Enfin, bref. J'ai envie de me reposer une heure. Ouais. On va se reposer une heure, le temps de se remettre de nos aventures, là. Et de se réchauffer. Surtout de se réchauffer, en fait. C'est surtout ça, le problème. Le temps, j'espère qu'il va pas changer. Et on devrait vraiment pas être très très loin de Milton. Par contre, je sais pas vraiment où on va tomber sur Milton. Je sais vraiment pas du tout. Ok. Ok, d'accord. Ok, maintenant c'est la grande corde, apparemment. Peut-être 2 heures, c'est beaucoup. J'ai peur que le temps en fait change. C'est là où on est bloqué en fait avec les cordes. Sinon. Ok, c'est bon. On avance. On avance. Celle-là elle est un peu plus grande par contre. Elle est un peu plus grande celle-là quand même. Je suis très bien pour faire ça. Ça devrait passer. Est-ce qu'on peut faire une escale ou pas? Je crois que... Genre là, ça. Je crois que c'est une corniche pour se reposer. Ce qu'on va faire, on va se reposer peut-être sur la corniche. Tu veux monter, s'il te plaît? Merci. Oh waouh, c'est stylé quand même. Non, on va y aller en une fois. On est bon. Parfait.
Parfait, parfait, parfait. Du coup, là, on a une belle vue. Ah ouais, là, on a... Ouais, là, on voit tout ça, en fait. On voit tout ce qui est en contrebas, en fait. On voit tout ce qui est en dessous de notre niveau, en fait. On va dessiner plus. Mais ce qui est à notre niveau, après, c'est des dessins normaux. Non, ça va aller, toujours pas fatigué, très bien. On n'est pas passé en dessous des 50 kilos. Oh, il y a un cadavre devant. Bienvenue à Milton. Vous avez déjà des cadavres. Une carcasse. Il y a déjà des loups. On va prendre... On va faire ça. Oh la vache, c'est quoi ce bug à chaque fois? Il y a des lapins. Il va falloir qu'on fasse de l'eau. Enfin, on n'est pas dans l'urgence, honnêtement, donc c'est pour ça que je préfère d'abord trouver un endroit pour me reposer, puis après on verra. Je sais pas vraiment où on est. Oh! Si, je sais complètement où on est, c'est bon. Alors par contre... Ouais. Par contre, il y a du loup. Il y a un cadavre aussi, tiens. Merde. Oh! Clé de la ferme. Merde. J'ai jeté la viande. Attends, lui vient de courir de là, le loup il doit être à gauche. Merde, attends, je vais prendre de là. Il doit juste être là. Il y a encore un loup là-bas. Dans la tête. Ok. J'ai cru qu'il avait senti un lapin, mais en fait c'est nous qui l'a senti. On va rentrer. Ok. Parfait, parfait, on a trouvé la clé. Direct. Je pensais pas qu'elle était sur un cadavre. Je crois qu'elle change d'emplacement. Je suis pas sûr. Ah, j'ai laissé le... Ah merde, oh, j'ai laissé le steak derrière. Il faut qu'on aille le récupérer. On va le récupérer avant que je fasse autre chose. Parce que sinon je vais oublier. Ah, est-ce qu'il nous a vu? Ou alors il a vu les lapins? Il est où? Il y en a encore un là-bas? Ok, parfait. On va en profiter. On en profite parce que du coup c'est vraiment des kills faciles en fait. Condition de pas se louper.
là là là, quel con. Quel con. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule, moi? À condition de pas se louper. Blablabla. À condition de pas se louper. Eh oui, c'est bien connu ça. Bon, Nadja, ça c'est fait. On va fouiller maintenant. Elle est fatiguée, il nous faut de l'eau. Ah, attendez, d'abord on va trouver l'eau. Sûrement des toilettes, non? La bonne eau. Il n'y a pas de toilette ici? Ah, là. Parfait. On n'a même pas besoin de puiser dans nos ressources. Ah, très bien. Oh! Ça c'est bien. Est-ce qu'on a du charbon? On n'a plus de charbon. Il nous faudrait du charbon pour dessiner. On a du tissu. Bon, on va faire le tour de la maison. On va regarder un peu ce qu'il y a à récupérer. Ça. Et on va tout prendre d'abord. Et puis après on fait le tri. Puis on a de la bouffe. Ah oui, un truc qu'on peut faire directement. Ça. Ça. On a déjà les pots là. Et après, il y a tous les morceaux de bois. Voilà, comme ça, ils commenceront déjà à sécher. On va dormir là, on va dormir là. On va voir si on peut pas récupérer un peu plus de viande à l'extérieur sur le loup qu'on a tué. Et après, on va dormir là. On va peut-être faire du feu, on va peut-être essayer de récupérer un peu de bois aux alentours. Quoique non, dans la maison, il y a plein de trucs à casser. Donc à la limite, autant casser dans la maison. Hop, parfait, on va pouvoir dessiner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Ok. J'ai dit rien du tout. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on est un peu à la recherche du Polaroid aussi. Ouh, on a des bons vêtements. C'est bête que nous, bon, ça va pas vraiment nous être utile, mais il y a des bons vêtements. I'll take it. Ah. De peinture, c'est cool. C'est pourquoi ça? Fusil. Du coup, je fais un peu plus attention parce que vu qu'il y a des nouvelles choses à récupérer. Ouais, donc après on va faire le tour de la maison. Avant qu'il fasse complètement nu, on fait le tour de la maison. Voir si on peut pas récupérer quelques trucs. Pas mal de ressources. Bienvenue à Milton. Milton, même en intrus, on va quand même trouver pas mal de choses. On va trouver quand même pas mal de bouffe. Et tout, donc vraiment bien. Ça va être, honnêtement, c'est les vacances. Milton, à notre stade du jeu, avec tous nos habilités, tout ça augmenté et machin, c'est les vacances. Par contre, après, c'est vrai que c'est dangereux. J'avoue que, bon... C'est pas mal dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de loups. Bon.
Alors attendez, parce qu'on est quand même un peu lourd. Ça c'est le surplus, on est à 45 kilos. Pourquoi on est à 45 kilos? Ah oui, les vêtements, c'est vrai. Vêtements, on va les mettre dans cette boîte là. Alors fais voir un peu les vêtements. On a récupéré quoi? Donc des chaussures à recycler. Bon, ça on le recyclera avant de dormir. Truc en laine, mais bon, c'est juste pour avoir du tissu. Donc à la limite, on le garde. On a encore un pull qu'on connaît déjà. On a un parka simple correct. Mais bon, on va pas l'utiliser hein, évidemment. Mais c'est bien, c'est bien. Après, on a... ah oui, on avait un nouveau bonnet. Non, on a que ça. Bon, on va mettre tout le surplus de vêtements ici. Les chaussures, on va les détruire avant de dormir. On va faire du feu avant de dormir aussi. On a récupéré du bois. Oui, on a tout ça. Ok. Faire ça là. Voilà. Bah les chaussures, je vais les mettre dans le coffre aussi. Le temps qu'on sorte et tout. Comme ça, on saura où les récupérer directement. Je voudrais juste récupérer, genre, à la limite, deux steaks de loup. Ce serait vraiment bien. Comme ça, on est un peu tranquille. Pas froid. Ah oui, on va faire ça aussi. Ah, très bien. Stockage? Je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Nourriture et boisson. Stockage. Stockage, ça veut tout dire en gros. Voilà. Par contre. Tu m'as utilisé quelle bombe? Ouais, non, ça va. Je crois qu'il m'a utilisé. Elle m'a utilisé la bombe qui était presque vide, donc ça va. Il y a aussi la grange à fouiller et tout ça. Il y a pas mal de choses encore. On va écouter deux secondes. Je crois qu'ils sont loin, ça va. Très bien. Eh merde. Il est juste à ma droite, non? Juste là, ce con. Ah, t'es chiant, toi. Ah, tu vas être relou, toi. Pas. Oh non. Je le vois pas. Non, c'est bon. Il est juste derrière. Il nous gueule juste derrière. C'est abusé.
Ok, ça c'est pas fun. Ah, ils font chier. Va falloir vraiment qu'on les chasse. Va falloir vraiment qu'on les chasse. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. On va avoir des gros problèmes. Très bien. On a du petit bois. Non. Mais c'est pas très grave. Bon, bah on va faire cuire nos viandes. Après on a de la viande en plus. Enfin de la nourriture en plus. Là. Genre des soupes de tomates et tout ça. Je sais pas si c'est vraiment utile de les manger. S'en servir comme décoration. Ah quoi, on peut faire de l'eau. Tu peux mettre le lapin? Non. 40 minutes, ok, très bien. Ça aurait été drôle. Tu mets le lapin comme ça, sans le dépecer, rien, avec la peau et tout, les poils qui grillent. Ah, ça va être bon, tiens. Ça va être super bon. Il y a quasiment rien sur les lapins, c'est à cause de, des loups. Alors là on a quoi? 300 calories, 48%. Après on a ça qui donne soif, 56%, 600 calories. Ça on va aller, on va tout garder là. Ça aussi. Voilà. J'aime pas cette boîte par terre là comme ça, ça me dérange. Alors eau potable, ok. On a aussi notre faitout à nous, hein. on pourrait l'utiliser pour faire plus d'eau. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Encore plus d'eau. Deux heures, ouais, vache. Deux heures pour la chaise, t'es sérieux là? Quoi cette blague? Pas autre chose? On avait vu des petites caisses. Oh la vache. Oh le temps. Oh le temps. J'avais pas vu des caisses en bois, quelque part. Ah, bah encore vrai qu'on est, on n'est pas sorti. Hein. Sinon on aurait été légèrement dans la maman. Dans la merde. Allez, let's laisse chaise. Une heure. Une heure c'est pas mal.
Une heure, c'est pas mal. On commence à être très lourd, parce qu'elle est fatiguée en fait. Voilà, très bien. On va manger. Tout est cuit, on est d'accord. On va manger d'abord les petits steaks. Faut qu'on finisse de dépecer tout ça, et après... Et après on est bon. Ah mais ça va, on s'est remis d'aplomb, hein. On est vraiment à fond là, c'est bien. Regardez-moi ça, comme c'est simple. Comment c'est simple. Faut que je regarde le feu, le temps encore de... Eau potable. 16 minutes. Ah, il y a trop de l'eau. Ah, je vois rien. Ah, très bien, on va laisser ça comme ça. Le feu, on va le laisser mourir. Faut qu'on aille déposer nos peaux, parce que je crois qu'il me reste encore une peau de, sur moi. Je vois strictement rien, c'est cool. Du coup, on va la mettre là, parce que je vois strictement rien. On va faire ça. Ça. Très bien. On a encore du bois. Très bien. On pourrait allumer une torche, hein, mais on va pas le faire. Alors on pourrait encore faire les chaussures. C'est 2 heures. C'est 2 heures les chaussures. C'est 1 heure je crois, non? Parce qu'elle est très fatiguée en fait. Donc j'ai envie de me reposer au maximum. Non, 1h15 on va le faire. Très bien, ça nous fait du cuir neuf, du cuir séché, c'est bien. Le lapin, qu'est-ce qu'il reste à enlever? Ok. Putain, on la pousse à fond là, on la pousse vraiment à fond. On va manger, on va boire, et on va dormir, et hop, ça sera la fin de notre épisode. Ça s'est très bien passé, on est arrivé à Hamilton, tout va bien. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, là, ça tombe bien, vu que c'est la nuit et tout, on va pouvoir dormir. Ouais, on a trouvé des médicaments en plus. On a trouvé beaucoup de... On a beaucoup de choses à cuire, là, en eau, qui pèsent pas lourd, donc ça, c'est vraiment bien. On a de la nourriture, on va pouvoir tenir jusqu'à Milton même. Parce que là, on n'est pas vraiment à Milton, on est aux alentours de Milton encore. Mais... il est où le lit? Le lit là. Mais voilà, c'est parfait. Honnêtement, c'est très très bien. Très très bien. Donc, merci. Oh, regardez, à la prochaine. Ciao, ciao.